Je suis en direct. Hey! On va voir ce que ça va donner. Super. Mais c'est là, c'est super ça. Je crois que je vais utiliser ça. Parce que... Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc, je vais vous souhaiter la bienvenue. Merci de liker ma vidéo déjà, à votre arrivée. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir, la reine Mélanie. Oh, ta tête. Bonsoir, bonsoir la reine Marie Kenny. Bonsoir, comment ça va? Bon, je vais vous expliquer comment utiliser les kits. Bonsoir la reine Sandy. Ok, super Sandy, le son est bon, c'est bon. Donc, on va lancer. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je sais que vous allez bien. Bonsoir Ruisseau. C'est bon, tu peux y aller. Donc je vous souhaite la bienvenue. Je mets entre vous et moi de la lumière. Je demande l'assistance du Saint-Esprit. Voilà. Que ce que nous allons dire ici soit que ce soit enrichissant pour vous. Bonsoir la reine Oferta. Bonsoir. Merci de partager. Merci. Alors comment vous allez ce soir? Parfois, il vient. J'ai quelque chose qu'il avait dit. J'ai mes programmes de vous dire les choses. Dès que j'ai dit que wow, les ancêtres parlaient, ils viennent encore avec leur part. Donc. Je voulais vous montrer les kits. Et surtout comment les utiliser. Ok, bonsoir Kanko, je vois ton message. Wow, Joyce dit, depuis qu'elle se lave avec le sel, 2 jours, elle dort bien. Bonsoir la reine Drusille. Tu as mal assis à la reine Sultane. Bonsoir, bonsoir, connectez-vous. Je voudrais bien, je vois que vous n'avez pas beaucoup partagé la vidéo. Partagez ma vidéo s'il vous plaît. Ok, donc, je voulais parler des choisis, ok? Je voulais vous parler de caractéristiques des choisis. Parce que jusqu'à présent, beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un choisi. Il y en a qui m'ont dit que vous êtes tombé sur ma page depuis seulement 2 semaines. Et vous n'êtes pas encore rentré dans une de mes vidéos où j'explique sur les choisis. Donc, mon premier instinct, c'est de parler des choisis. Maintenant, j'ai aussi pour idée de vous parler des kits. Donc, je vais vous montrer comment utiliser le kit fondation et le kit déblocage. OK? Et après, on va parler des choisis. Donc, si tu viens d'arriver, je te souhaite la bienvenue. Partage ma vidéo. Quand vous recevez les kits, hein, je veux que vous ayez l'esprit ouvert parce que ces kits ont été
façonnés, ils ont été formés, ils ont été faits avec beaucoup d'amour et dans le but de vous aider à vous délivrer. Ok? Donc, je rappelle juste qu'on a... Attendez, je vais vous montrer. Il y a les bracelets dont on a parlé déjà. Merci pour les partages. Je vois qu'il y a plus de personnes qui ont partagé. Excusez-moi. Voilà, mon téléphone déconne. J'ai beaucoup d'entre vous, vous m'écoutez, mais vous ne mettez pas en pratique. Je suis toujours pour vous comme un film que vous regardez à votre télé ou dans votre téléphone. Une femme m'appelle aujourd'hui, elle me dit, on avait une consultation. Bonsoir la reine Victoire. Elle m'a raconté son histoire, j'étais choquée. Son mari, ils sont ensemble depuis 22 ans. L'homme la couche avec sa voisine de palier. Tous les quatre sont camerounais. Et la voisine lui manque tellement de respect. Oh là là. Tu vois le genre de personnes qu'au départ, vous étiez amis. Vous étiez amis, hein? Elle venait faire semblant. Alors que la gars, elle est son mari. Elle calcule ton mari. Quand la femme m'a raconté son histoire, j'ai dit c'est à cause des gens comme la femme là que je fais ce que je fais. Et elle dit que depuis 3 mois, son mari n'a pas touché. Elle vient même vers l'homme, l'homme fuit. Oh. Ce n'est pas l'envoûtement que c'est quoi. Tu imagines ton gars arrive le soir comme ça. Tu viens, tu envoies la main, tu dis que B, il dit oh, je suis fatigué. Tu dis que B, il dit je suis fatigué. 3 mois, il n'a pas mis sa main sur elle. Et c'est arrivé à un degré où il part au boulot avec la femme là. Il travaille dans le même département. Donc il porte la femme, il amène la femme au boulot. Il finit, il ramène la femme, il la dépose à la maison. Il reste chez la femme jusqu'à 2h30. Il reste chez la femme jusqu'à 2h30 avant de sortir. Ensuite, il traverse le couloir, il entre chez lui. Ouais, okay. J'ai dit, mais c'est quoi, c'est quel machin, c'est ça? Qu'elle m'a raconté son histoire, j'ai dit, mince. Bonsoir, la reine Johanna. Donc, ça arrive à un degré où la femme ne se cache plus. Un soir, le monsieur rentre. Elle ouvre l'habit du monsieur, ça là. Il est en train de dormir. Il est arrivé tellement fatigué. Et ça m'a tombé sur lui dormir. Elle vient faire aussi, elle veut le déshabiller. Oh, elle voit des choses qu'une femme ne devrait pas voir. Tu vois, quand vous venez de finir là, le liquide qui est encore sur lui là, il y avait encore ça sur lui. Et sa santé. Elle dit que j'ai fait ça, comme je voulais enlever son habit, il dormait. J'ai senti au sein, il m'a dit que ouais. Elle a tout fait. Il dit qu'il ne peut pas arrêter de voir la femme là. Qu'ils sont collègues, ils sont seulement amis. Ils sont seulement amis. Il laisse sa femme prend le bus. Il porte la voisine d'en face là. Il amène la voisine au bureau. Déjà si vous voyez un peu. Je lui dis, maman, que mamie, tu fais même comment? Elle dit, maman, ah. Et un jour, la femme est venue chez elle la confronter. Elles ont même bagarré. Et quand elle balance à la femme, c'est que le soir, j'attends ton mari chez moi. Non? Je lui ai dit, tu sais quoi? Quand c'est comme ça, il y a un homme fort qui est entré chez toi. Parce que la Bible dit qu'on ne peut pas venir piller tes choses sans t'avoir affaibli d'abord. On ne peut pas venir prendre tes choses.
L'homme est resté, il a dit que c'est pour toi que je veux. Tu n'es pas parti le chercher. Vous êtes ensemble depuis 22 ans. Le dernier enfant a moins de 10 ans. Il ne veut pas donner les âges. La décepticon, la peut être elle-même aussi sur la page ici. Je lui dis que ma chérie, comment était ta copine avant là? Mon fou. Si quelqu'un connaît que tu es simpleton, parce que tu ne fais même d'abord rien. Si quelqu'un connaît que tu es simpleton. Donc elle a bien été attachée, donc elle a bien attachée. Elle t'a bien attachée. Ton mari, alors oublie, n'en parlons plus. N'en parlons plus. Mais lui dit que ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Quand je vous donne les produits ici, ça c'est le kit de blocage plus plus. Il y en a parmi vous qu'on a mis les tout dans la nourriture, on vous a donné, vous avez mangé. N'est pas la personne qui était ta copine avant. N'est pas c'était ta tante avant. C'était ton oncle. C'était ta belle-mère, non. Portez la nourriture. Portez. Venir toute la nourriture là, mettre les choses dedans, te donner, te bois, mange mamie, mange, te voilà tu manges, bête bête tu manges, bête bête non, tu manges, alors qu'on est en train de t'attacher, on te prépare, ne te dérange même pas Jean, dans le traitement il y a les étapes, le retour on l'a envoyé là ça arrive. Ça arrive. Ton propre mari rentre, il ne veut pas voir ses enfants. Hein. Il est chez ta voisine, il rentre à 2h30. Il se faufile dans le lit, on se couche et dort. 3 mois, c'est sur le même lit dans la même chambre. Toi, la femme, tu pars avec lui, il refuse. L'homme, c'est tout lui qui demande, on refuse là. Chai. Et elle-même là, elle a fait en sorte de se gâter avec son mari, la voisine qui a volé le mari de celle-ci. Elle-même là s'est gâtée avec son propre mari, avant de partir prendre pour l'autre personne. Vous êtes trop simple. Il y en a parmi vous, même vos soeurs ne doivent pas vivre chez vous. Parce que la fessière, les gens sont méchants pour rien. Elle me dit qu'on s'est connu depuis qu'on est jeune. Donc depuis l'enfance, là, on se connaît. On est tombé amoureux depuis. Une personne est partie en Bengue, l'autre s'est battue, l'autre est venue. Où tu as resté tout ça ensemble. La personne vient ici, commence à récolter le fruit de ton labeur. Je suis avec toi toutes les années où tu galères, tu n'as pas le boulot, tu trouves le bon boulot maintenant. Écoutez, levez-vous. Apprenez à enchaîner les chakarabakata. Mamie, ma chérie, Dieu écoute. Dieu écoute. Quand tu prends tes deux genoux là, tu mets à terre. Et elle dit qu'au début de leur relation là, Dieu lui avait montré qu'il y a une femme. Elle jeûnait, plein jeûne. Elle rêvait de voir son mari en train de coucher avec une amie. Elle dit que non. Mais tu sais que le genre là, tu te lèves, tu dis toujours non. Tu dis que wow, j'avais été vu avec telle personne. Tu sais, est-ce qu'il va accepter alors? Comme vous êtes bête plus là. Dis que ma chérie, arrête ça. Arrête. Premièrement, il n'y a pas un truc que ta bouche. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, la prière fervente du juste a une grande efficace. Tu te lèves. Tu dis que Seigneur, voilà mes 7 jours de jeûne qu'elle prend. Quelle que soit la femme qui a pour mon mari comme une mission, tu prends, il y a les plaies, il y a dans vos kits, ceux qui ont le kit de. Attendez, je vais vous donner 2 produits de commandement. Ceux qui ont le donne-moi tout là. Donne-moi tout. Avec le don. Donne-moi tout avec le don. Ceux qui ont le kit de déblocage plus plus là.
Là-dedans, il y a une poudre de désenvoûtement. Donc, le donne-moi tout cela. Voici la nouvelle utilisation que je vous montre aujourd'hui. Tu prends ça, tu mets quelques gouttes de ta langue. 3 gouttes de préférence. Donc, tu prends ça. Ça active ta langue. Tout ce que tu veux. Écoutez, vous êtes trop gentil avec vos oppresseurs. Ah non, ça va. Quel est seulement mon mari? Je veux seulement qu'elle nous laisse en paix. Il y a des gens que tant qu'ils sont en vie, vous n'aurez jamais la paix. Ils veulent tenter de les garder en vie. C'est souvent les femmes faillent. Elle arrive comme ça. Elle dit que telle personne, tu laisses mon mari et moi en paix. Que la folie t'attrape. Je dis que yes, mamie. Oui. Que tout envoûtement que tu as lancé sur nous, je retourne ça sur toi. Pour beaucoup d'entre vous, c'est le temps de faire le back to sender. Tu prends le donne-moi tout cela, tu mets ça sur ta langue. Tu prends l'autre pendant 3 jours de jeûne, tu te ouanges avec. Tu parles. Le matin, tu prends le don, tu mets sur la langue, tu parles. Certains de vos voisins vont devenir folles. Tu vas rester sans dire que toute personne qui avait volé mon argent, que la personne devient folle. Tu vas sentir que oh, telle personne a fait la dépression, elle est devenue folle. Parce que la personne t'avait cherché. Et quel chemin? Et chemin? Oui, certains de ces féticheurs-là, ils viennent voler vos étoiles. Tu parles. Même si tu n'as pas les produits, c'est le piment de Guinée, tout le monde peut trouver ça, non? Vous connaissez, non? Le nom. Tout le monde connaît ça quand même, non? Je cherche s'il y a ça dans un équipe ici, là. Ça s'appelle le nom. Vas-y, ça. Comme le jujube. J'ai dit à Junior de te donner les 58 000 plus 30 000 là le matin, non? Demande-lui. Voilà, voici ça. Tu prends ça. Mets 7 grains sur ta bouche. Tu prends 7 grains. Tu mets dans ta main. Tu parles. Fais ça le matin, 4h35, quand les gens sont encore réveillés dans la maison. Écoutez, quand les gens la partent chez les marabouts contre vous, ils n'ont pas peur de dire que je prends son mari. Je prends ses terrains. Qu'elle perde son boulot. Ils n'ont pas peur. Qu'on l'en renvoie. Que l'homme l'a la chasse de la maison. Et te voilà, on t'a chassé de la maison. Ouvrez vos bouches. Est-ce que vous savez que quand David prenait un territoire, il coupait les têtes de tous les gens là. Il coupe les têtes, hein, ne blague pas. Il accroche ça sur un poteau comme ça là pour montrer. La loi de Moïse, il est trop gentil avec les gens. Vous ne savez pas qu'il y a quelqu'un qui est assis. Tout, tu fais un truc, ça marche un peu, après paf, ça tombe. Ça marche un peu, après paf, ça tombe. Quelqu'un est bien assis sur toi comme ça là. Il te mange. Il te mange. L'esprit te montre, tu es là, tu pries, tu es gentil avec lui. Ah, tu sais, ah, ses enfants, c'est parce que ses enfants n'ont jamais eu le visa, non. Ah, c'est pour ça qu'elle a dit que tu vas arriver en Belgique, tu ne vas pas avancer.
Vous allez prier certaines prières. On va te prier pour te dire que ta tante est morte. Que ta grand-mère est morte. Tu dis oui. Tu ris seulement. Que j'ai fait Bakou Senda. Deutéronome 28, verset 7. Allez lire. Ils envoient une flèche vers vous. Vous, vous leur envoyez 7 flèches. Donc vous multipliez ce qu'ils ont envoyé sur vous par 7. Vous envoyez sur eux. Et quand on prie, on ne dit pas beaucoup de paroles. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit l'autre jour que tu prends le piment, même tu mélanges avec... Tu avais donné l'astuce là où le piment, tu mélanges avec quelque chose, tu souffles ça aux quatre coins de la maison. Ça, je viens d'expliquer comment utiliser, Thomas. Je crois que tu es souvent sur, mais pas sur YouTube, tu cherches ça. Tu es abonné sur ma page depuis 6 mois, rien n'a changé dans vos vies. Parce que quand on parle, vous tournez comme la chaîne du coiffeur. Je sais que sur les pas, vous me regardez. Regardez-moi comme la télé, ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez, vous n'avez pas encore bien souffert. Vous parlez de quoi? Souffrez. Jusqu'aujourd'hui, je rencontre les gens, ils me voient dans la rue. Hé, hey, je te connais. Tu fais ce que je dis. Ah, tu sais. Je vais faire, je voulais d'abord te rencontrer. Tu es loin au Gabon. Moi, je suis à Douala. Je te donne les astuces que tu peux faire avec le sel que tu as à la maison. Tu ne fais pas parce que tu dis que tu veux d'abord me voir. Hein? Le piment avec le sel, oui. Tu mélanges, tu prends, tu souffres ça aux quatre côtes. Ajoutez même ça au rituel que vous en avez fait. Le piment qui c'est que la conne est écrasée. Ne faites pas, vous allez lire. Et voilà. Un peu. Hein. Voilà le donne-moi tout. Le donne-moi tout cela, on fait tout avec. Prends, tu te mets dans l'eau, tu te laves avec. Tu mets dans l'eau, tu mets le sel, tu te laves avec. Tu mets dans l'huile, tu te oignes avec. Tu prends, aujourd'hui j'ai ajouté ceci, tu mets ça quelques gouttes sur ta langue. Tu mets sur la langue où tu parles, tu finis de parler, tu te oignes avec. Et le témoignage de quelqu'un qui a construit sa maison, la maison qu'il avait arrêté le chantier depuis des années. Construit, tollé. Depuis que tu le donne-moi tout seulement. Avec le sel. Tu prends ça, tu parles. Ouais, t'es Seigneur. Tu m'écoutes ce soir, non? Peu importe là où tu es, il y a le piment là-bas, non? Il y a le piment, non? Le piment, c'est que tu prends le sel, tu écrases les deux. Tu mets dans ta main, tu souffles. Quatre directions dans ta maison. Tout sorcier, tout envoûtement, tout mauvais esprit, tout homme fort qui entre dans ma maison. Tu mets le feu sur toi. Qui que tu sois, tu n'as pas la paix tant que tu ne meurs pas. Apprenez la vengeance. Apprenez la vengeance. Donc tu vois quelqu'un va se cacher. Il prend le cyanure. Il met dans ton eau, il tourne, dans ton vin, il tourne. Il vient. Oui, je sais, on va boire, oui, on va boire un coup ensemble, ouais, vas-y, tiens. Te regarde comme ça. Si j'ai moyen, après le même cyanure, il te donne dans le verre, il te dit que bois. Je retourne le verre là, tu bois ça, tu meurs par ta propre épée. Vous êtes trop gentil à vos oppresseurs. Mince. Tu t'es marié, tu n'as pas fait un an de mariage, on a gâté ton mariage. On a gâté ton mariage. On a gâté tes enfants. Tu tournes toujours dans les sables mouvants, c'est comme ça le beurre sur tes pieds. Tu avances, tu glisses, tu tombes. Tu avances, tu glisses, tu tombes. Même l'argent pour acheter un kit, ça te dépasse. Depuis 6 mois. Non. Enough is enough. Enough is enough. Vous n'êtes pas encore fatigué de souffrir. Ne pas avoir la nuit. Ils vont mettre sur votre toit, non?
qui vont venir sur votre toit là-bas rester. Voilà, les hiboux vont venir. Maman, il y a une là, elle vient un jour, elle me dit, oh, ma copine qui m'a même donné ma copine qui m'a même donné ton truc là. Ton email ou je sais pas, ta page. Maman, elle alors, c'est grave. Son frère est milliardaire. Elle a deux frères milliardaires qui lui ont conçu la maison ou acheté la maison. Elle vit dedans. Couche de nuit chaque nuit avec un de ses frères. Un jour, c'est l'aide d'avoir le hibou à côté d'elle sur le lit. Non. On a sucé le cerveau de la fille là, trop même. On a trop sucé son cerveau, c'est fini. Et elle voit le hibou, elle se réveille, elle chasse, elle dit pas, mof, je te tue, je te brûle, je fais le feu sur toi. Même celle qui m'a dit que sa voisine dit, tu sais qu'une femme est avec ton mari depuis 2 ans. C'est seulement parce que maintenant c'est devenu trop grave. Tu aussi seulement là que coutu, tu acceptes seulement. Dormez. Lille. Dormez, non. Il y a même certains d'entre vous qui, pour être heureux, vous allez partir dans un foyer quelque part, vous allez rester. Tu pars loin dans une autre ville. Tu te maries là-bas. Parce que les gens, que s'ils voient que tu es heureux, s'ils te voient, hey, elle sourit. Non, comment ça? Elle sourit pourquoi? Il y a des gens qui vous détestent. Voilà Marie-Laure, tu tords son cou, tu brûles. Oui. Et en brûlant ça, tu fais des incantations, ça, tu parles. Qui que ce soit qui te représente là, comme je brûle comme ça, déclare que tu te dépasses. Je viens anéantir tous tes pouvoirs. Vous doutez trop de vos paroles. Vous ne savez pas qui vous êtes. Le kit de déblocage, si. Les gens qui sont envoûtés. Kit de déblocage plus. Vous les envoûtez. Vous savez que vous, on ne vous laisse pas tranquille. Là, il y a les produits que tu verses à la maison. Il y a ce que tu brûles à la maison. Il y a ce que tu fais bouillir, tu te laves avec. Il y a ce que tu fais bouillir, tu bois. Il y a ce que tu prends, tu frottes sur ton front, tu te blindes avec toi-même. Il y a ce que tu prends, tu brûles à la maison encore, ça chasse les mauvais esprits, tu brûles même au boulot. Tout ça, c'est ici dedans. La porte, pardon, je crois que la connexion, j'ai besoin de plus de connexion. Apparemment, on le voit. Tu ne blagues pas, vous blaguez trop avec vos choses. N'importe qui peut venir t'attaquer. La personne vient que bien. Tu ouvres seulement, tu ouvres tes. Le kit de déblocage plus au Cameroun, c'est 55 000. En Côte d'Ivoire, c'est 65 000. Au Gabon, c'est 65 000. Gabon kit fondation 70 000. Oui. Ça c'est déblocage plus. L'autre c'est bien chargé. Au Cameroun c'est 55 000. En France, vous avez les représentantes. Je vous parle chaque jour des bracelets ici. Les bracelets sont disponibles. Achetez les bracelets, vous mettez sur vos mains. Ça, c'est le kit de déblocage plus. Il y a aussi le kit de fondation. Fondation et déblocage plus, c'est 55 000 chacun. Fondation, ce n'est plus 50 000, c'est 55 000. Vos frontières sont fermées. Tu es où? Ah, tu es sûrement en Chine. Ah, la Russie. Oh là là.
J'ai parlé du donne-moi tout. Mettez le donne-moi tout sur votre langue. Vous allez voir les merveilles du donne-moi tout. Je sais que vous avez ça dans vos maisons. Prenez ça ce soir ou demain. Mettez ça sur votre bouche, vous allez confiner. Et vous êtes trop passif avec vos choses. Vous êtes trop passif. Prends ton travail spirituel au sérieux. Prends ton travail spirituel au sérieux. Nelinga Sam, utilise le donne-moi tout avec le sel. Tu vas voir ce que ça va faire. J'ai trop de témoignages avec ça, trop, je te dis. Ken, tu dis que le retour de quoi, papa? Quand quelqu'un pas te fait de mal, ta vie n'avance pas, tu penses que c'est déjà bien. Et en fait, c'est comme si vous avez conditionné dans la tête. Tu es là comme ça, ta vie, rien dans ta vie ne donne. Observez, vous avez les tantes, non? Certaines tantes qui sont au village tous les week-ends. Ta mère est à morte, donc personne ne va travailler sur toi. Le donne-moi tout, c'est un parfum comme ça, là. On va ça à 15 000 maintenant. Que Vanna a 10 000, vous n'achetez pas. Donne-moi tous ces 15 000 maintenant. Ça fait trop les merveilles. Ça fait le commandement. Tu mets ta langue. Tu mets dans l'eau, tu te laves avec le sel. Tu te bois avec. Et tu dis ce que tu veux. Le donne-moi tout. Voilà ça. Il y en a pas mis, vous n'avez mis les malchances sur vous. Observe, tu as une tante là que ses enfants réussissent trop. Trop. Toi, tu es là comme ça. Elle part au village tous les week-ends. Certains de ces gens-là ont pris. Vos étoiles. Donnez à leurs enfants. Il y a une qui m'a appelé une fois, elle me dit, elle est à Washington. Ses cousines avec qui elle est là-bas. Maman, elle avait fait sénateur. Leur chose marche jusqu'à. Mais ça part là. Hey! Combat, challenge, combat, challenge. Le donne-moi tout, tu mets sur la langue, tu dis ce que tu veux, après tu te rends avec. Deuxième astuce, le don, tu mâches, tu dis ce que tu veux. Troisième astuce, le donne-moi tout, tu mets dans l'eau, avec quelques gouttes, 5 ou 7 gouttes. Avec le sel, tu te laves. Une femme enceinte peut utiliser le donne-moi tout. Elle dit que Wanda se manque tous ses cousines. Maman, leur chose marche. Elle est tombée sur mes directs. On parlait avant, en 2015, 16, 17, on parlait ensemble. Elle tombe sur mes vidéos, elle dit que maman, ce que tu dis, c'est trop vrai. Que c'est quand dans des vidéos que j'ai compris que voilà mes cousines, leurs choses marchent. Mariage, bien, bien, elles sont là. Mais moi, voilà. L'homme vient, il te quitte. On te promet le mariage, après on part. J'ai dit que ma chérie, comme tu es encore sceptique, envoie-moi ta photo, je te lave. Et fais le premier lavage, bam, ouverture d'argent. Lavage à distance. Oui, Stéphanie, le tissu qui est dans le kit fondation, tu mets ça sur ta tête. Si tu as regardé les vidéos qui sont sur YouTube, dans les vidéos là, je te donne le lien qui t'amène sur une autre page. Tu vas t'inscrire là-bas et là-bas, j'explique comment faire avec le tissu. Tu mets sur ta tête et tu lis un passage biblique pour restaurer. Parce que quand tu fais le kit fondation, tu te nettoies. C'est un peu comme si tu mettais l'eau de Javel sur toi. Et l'eau de Javel que tu as mis là,
après maintenant, il faut que tu, après t'être purifié, il faut que tu te restaures. Donc tu remets tout dans ta vie à zéro. Emeline Gakko, prends-le, donne-moi ton nom. C'est votre foi qui va vous porter. Je vous donne seulement les produits. Donc je vous ai parlé, voilà, donne-moi tout. Et voilà le kit de déblocage. Quand tu achètes le kit de déblocage, plus, le donne-moi tout est dedans. Il y a aussi le parfum contre la sorcellerie qui est dedans. Il y a aussi le miel de commandement. Voilà. Après leur rupture, les femmes viennent les épouser. Non, 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 ne soyez plus simple, simple. Tu es simple que tu pars où, mamie? Hein, Rachel, tu es simple que tu pars où? On va voler ton étoile, voler pour tes enfants. Comme je sais qu'il y a des gens qui disent qu'on ne vole pas l'étoile, là. Continuez à croire qu'on ne vole pas les étoiles. Continuez. Vous allez lire sur le calendrier. Simple de nous joindre, plus simple. Commence quand même par prendre le sel, tu mets dans l'eau, tu te laves avec. Merci pour les partages, merci d'avoir partagé mes vidéos. Merci. On ne peut pas savoir comment ça me fait mal quand je rencontre quelqu'un en route. Oui, la marraine, je t'écoute depuis. Tu as commencé à me laver avec le sel. Ah, tu sais, je voulais d'abord te voir. Tu ne m'as jamais contacté. C'est pour ça qu'il vous endorme. Il vous endorme. Tu es là comme ça, tu dis non, demain, demain, après demain, tu ne fais jamais. Ouais, pardon. Vous avez suivi. Amen, je reçois ta prière, chérie. La poudre à bois, envoie les photos, on va te montrer. Généralement, la poudre à bois est marron. Et si c'est le kit de déblocage, plus, plus. La poudre qu'elle a dedans, c'est la poudre de désenvoûtement. C'est très puissant. Cette poudre-là est noire. On regarde l'un des numéros, tu envoies le message, on va te répondre. Et j'ai aussi la poudre étoile. Le cadenas qui se trouve dans le guide de blocage, le premier jour du jeûne, il est scellé puis jeté dans l'eau de bain. Après ça, on le garde pour utiliser les 6 prochains jours. Non. Après, tu ne le gardes pas. Je préfère le rituel où on scelle le cadenas parce que quand tu scelles, tu bloques ce que tu as dit. Tu sépares la clé du cadenas. Ok? La clé, tu peux la jeter ailleurs. Le cadenas, tu peux l'enterrer. Ou tu jettes, même si tu jettes dans une poubelle, personne ne peut jamais ouvrir. Faites attention à l'inverse. C'est-à-dire, tu prends le cadenas, tu parles, tu dis que comme j'ouvre le cadenas, si je débloque ma vie. Si tu fais clic, tu ouvres. Si un jour quelqu'un prend le cadenas là, il ferme, c'est qu'il a encore fermé ta vie. C'est pour ça que je conseille toujours le rituel inverse. Tu parles, tu fermes le cadenas, tu sépares le cadenas de la clé. Donc même si quelqu'un voit ça dans la rue, il ne peut pas être tenté de prendre. Non, il n'y a pas la boule de commandement dans le kit de bocage plus plus. J'ai déjà, je crois que les boules de commandement, c'est dans le kit commerce seulement. Et je pense que les boules de commandement, je vais m'arrêter ça. Voilà. Ne vous inquiétez pas. J'ai une de mes filles aujourd'hui là. Elle m'écrit, elle me dit ma reine. Oh, 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 oh. J'ai parlé, j'ai dit que voilà, je reçois ma maison de 1 million, 1,5 million d'euros. Aujourd'hui, j'arrive chez une prestataire. J'ai dit que je n'avais plus fait les prestations que je veux. Elle est infirmière indépendante en France, libérale. Elle dit que je veux faire le genre de prestations que j'arrive, je soigne un patient comme ça. Une visite sur le patient, 500 euros. Il y a l'argent là-bas dehors. Mais les gens qu'on vous a bloqués. On a bloqué déjà que quand quelqu'un pense m'a te donner l'argent, il oublie. Il oublie. Il devient vraiment fou pendant 5 minutes.
Pas Ken, voilà le numéro écrit, tu dis que tu veux me parler. Tu payes 100 euros pour la consultation. Tu vas me parler ce soir ou demain. Dans les 24 heures, tu vas me parler. Tu as compris, pas Ken. Tu écris un des numéros là, tu dis que tu veux me parler. Mais si tu veux me parler, urgence, c'est 100 euros. 100 euros. Là, voilà, dans la voiture, elle attend, non. Qu'on ouvre la porte pour qu'elle entre pour soigner sa patiente. Et elle me dit, tu sais, 500 euros qu'elle va avoir sur chaque patient. Donc, si par jour, tu peux même faire 3 patients, ça fait 1500 euros, non. Bon. Après, en entrant, elle tombe sur une autre qui est la directrice de quoi, là, en tout cas, quelqu'un qui va favoriser ce qu'elle voulait. Elle m'a envoyé sa dîme comme ça, là. Elle paye la dîme maintenant que tous les 5 jours. Que maman, là, pardon, prends d'abord la dîme, c'est que c'est grave. Les bénédictions de ça. Ça fait 6 ou 8 semaines qu'elle est connectée à ce que je fais. Le nombre de sacrifices que la femme a fait. Sacrifice sur sacrifice. Ça, je crois qu'en 2 mois, elle a fait au moins le book 3 fois pour elle. Elle a fait 3 books. 3 books pour elle en 2 mois. Elle est responsable et dit que maman, je vois le Jacques, mes yeux étaient noirs. Je ne voyais rien depuis. Tu es là où tu es dans la souffrance. Tu as le talent, tu as la formation. Il n'y a pas le boulot. Tu travailles même pour qu'on te paye. C'est les problèmes. Tu dois bagarrer. Et qui est maman? Manaloba. Posez-vous les bonnes questions, s'il vous plaît. Posez-vous les bonnes questions. Soyez aussi fatigué. Soyez fatigué de souffrir. Fatiguez-vous. Kossi a chanté que la galère, c'est quoi? Fuyez donc la galère, toi tu vois là-bas, moi je parle de l'autre côté. On ne se connaît pas. Pas qu'un tu au caméra, tu dis que tu veux me voir, tu veux me voir. Tu crois qu'on me voit comme ça là? Comment vous la même? Si tu es au Cameroun, paye 50 000, tu as compris? Et si tu n'as pas 50 000, achète un produit, tu utilises d'abord. Mon produit, j'ai mis ma main sur ça, ça va répondre à tes questions. Voilà. Et mes vidéos, vous ne regardez pas. Vous voulez savoir me parler. Ceux même qui me payent des 10 qui 100 ou 150 euros pour me parler là. La personne va me dire que j'ai passé toutes 2 nuits à écouter tes vidéos. Maman, ma chérie, tu es sûr que tu n'avais pas les maris de nuit. Il y avait sûrement un mari que tu avais. Manas Emerald. Bonsoir la reine Marie chérie. Jeanne Durier. Vous avez 3 acceptés. Tu acceptes que tu as 4 clients par jour. Tu fais la boutique. Les clients payent seulement le loyer. Mamie, tu vas vivre comment? Tu vas vivre comment? Tu comprends pas qu'on a bloqué ton business? Tu comprends pas comment ton activité est bloquée? Psst. Oh, les simpletons. Oh, oh, oh. Je sais qu'il y avait moi faire comment de voir. Simpleton plus. Oh. Tu vas l'acheter l'habit. Tu fais le shopping. Tu veux, il y a le mariage de telle personne. Tu vas acheter l'habit. Tu fais le shopping de 75 000. On te dit, achète un kit, tu fais ton travail spirituel. Ah, paye le lavage. Ah, ma reine, tu sais, je viendrai, je vais venir. Ne viens pas, tu as compris. Souffre, tu as compris. Tu as compris, souffre. Vous aimez la souffrance. Souffrez. Je pense que je termine avec vous. Ok, dis-moi de terminer avec vous. Mais ne soyez plus bête, plus, pardon. Lequel de blocage, on peut te poster ça à Garoua. Tu as compris ma chérie. On poste à Garoua. Écris au numéro là, tu fais le dépôt. La reine Roland, mais tu ris elle. Tu fais le dépôt. On va te poster ça à Garoua. Avec touristique, je pense. Tu vas les confiner. Tu commences ton chantier, le chantier s'arrête. Le chantier s'arrête que c'est parti. Ça s'arrête pourquoi? Ça s'arrête pourquoi? Habillez-vous, vous conduisez à souffrir. On vous bloque.
Alors que tu t'habilles bien. Habille-toi bien, ma chérie, t'inquiète pas. On met le lavage, tu ne fais pas. On te dit, prends toi-même le sel de 50 000 dans l'eau, tu ne fais pas. Tu veux quoi? Tu te lèves le matin, tu vas faire l'acte de présence dans ta boutique. Fais l'acte de présence. Les bracelets au Cameroun, il y a pour 6 000, il y a pour 7 000. Hors du Cameroun, c'est 7 000, 8 000, 9 000. Voilà. Hors du Cameroun, ici au Gabon, c'est 7 000 francs. Moi, il y a 27 000 jusqu'à une blague, même pas. Voilà. Merci beaucoup pour les bisous. Continuez votre travail spirituel. Vous savez que vos déceptions qu'on ne dorme pas, non. Tu as fait le travail le mois passé. Ils ont vu que tu allais acheter la nouvelle voiture. Ils ont vu, tu sais ça. Ils ont vu. Hein? Tu sais ça, non. Comme ils ne dorment pas là, non. Toi-même, tu ne dors pas. Comme ils ne dorment pas, toi-même ne dors pas. Le travail spirituel, c'est pas la blague. La reine Marie Blanche, c'est comment? La reine Boyau la Blanche, c'est en Côte d'Ivoire. Il y a ça en Côte d'Ivoire, oui. Écris, on va t'envoyer ça. Il y a tout ce que je montre là en Côte d'Ivoire. Les bracelets, c'est pour la protection. Je vous ai déjà parlé de ça chaque jour. La protection. Les gens qui sont attachés là. Quand on met les menottes sur le corps, on met où? Quand on te menotte, on met où? Quand on te blinde, quand tu étais petit, là, on blindait où? Ça vous restaure. Ça te restaure. Pourquoi tu crois que quand quelqu'un veut se suicider, il coupe cela? Pourquoi tu crois que quand il coupe cela, il meurt? Le corps a beaucoup de points très importants. Et dans les mains. Où est ma panne? On vous commande ça. Vous mettez sur vous, portez ça tous les jours. Pas votre truc, ce n'est pas la décoration, c'est la protection. Ce n'est pas la déco. Pas la déco. Voilà, ça c'est l'œil de tigre sur mon cou. L'œil de tigre. Ça c'est mon père qui m'a donné. Ne blaguez pas avec vos choses, s'il vous plaît. On vient la nuit, on te touche, on te vide, on part. Dans la journée, on te touche. Rachel, il y a les bracelets enfants. Tu as compris? Même en Côte d'Ivoire, il y a les bracelets enfants. Il y a les bracelets des enfants. Je veux très bien la reine du ciel, la reine Marie. Le nombre de personnes qui ont acheté leurs choses, que j'ai acheté mon kit. Le lendemain, l'argent du kit l'a encore revenu dans ma poche. Le kit de blocage, plus là, il y a beaucoup de produits contre la sorcellerie dedans. Beaucoup. Au départ, je voulais appeler ça kit sorcellerie. Après, je me suis dit non. Kit sorcellerie, déblocage, puis pour faire déblocage plus. Il y a beaucoup de produits contre la sorcellerie dedans. Et on vous localise parce que vous-même, vous êtes bête, vous vous laissez voir. L'autre jour, j'ai une de mes filles qui est en France qui me fait un message. Elle me dit, wow, que il y a une femme riche, que les riches chez qui je passe souvent faire des soins. Que c'est maintenant que tu m'as parlé des bracelets que je vois qu'ils ont beaucoup de bracelets sur la main. Beaucoup de bracelets sur la main. Il y a les choses qu'ils connaissent, vous ne connaissez pas. On vous dit, mais vous ne faites pas. Vous êtes bête. Continuez à être bête, vous avez compris. On te parle, tu maîtrises.
Tu achètes, tu déposes à la maison. Tu déposes. Oui, j'ai déjà acheté. Oui. Nadine Kofi, donne-moi ton numéro, Nadine. Ou bien tu écris en inbox. Tu as compris, Nadine? Écris, on peut te poster ça demain. Tu as compris, Nadine? Bonsoir la reine Audrey. La reine Jeanne, tu dis que tu es au fan de moi. Le kit déblocage plus plus, ça coûte en Côte d'Ivoire, ça coûte 70 000 francs. J'ai augmenté les prix, je vous dis d'abord. Parce que le transport prend trop d'argent. Pour envoyer dans les pays africains. Au Gabon, c'est 70 000 francs. Le kit fondation qui coûtait 50 000 au Cameroun, ça coûte maintenant 55 000. Déblocage plus plus 55 000. Le donne-moi tout, 15 000. Et vous devez utiliser comme j'ai montré, la mettez sur la posologie. J'ai dit que le donne-moi tout, si tu mets sur ta langue, tu parles, tu mets trois bouts. Tu fais ça trois bouts sur la langue. En faisant ça, tu parles, tu commandes ce que tu veux. Tu prends le reste, tu te honnes avec. Voilà. Voilà, tu as demandé l'attestation d'accueil, non? Tu as eu. Bonjour Emmanuel. En tout cas, j'espère que le message est passé. Merci pour les likes. J'ai donné aussi des astuces pour les gens qui n'ont pas, ceux qui n'ont pas acheté mes produits. Je vais donner des astuces. Tout ce qui compte est, mettez les astuces en pratique. Sinon, vous vous trompez vous-même. Vous ne me trompez pas. Vous vous trompez. Vous allez voir comment votre vie va se débloquer. Ton âme sœur que tu cherchais depuis là, tu as tombé sur lui comme ça, comme bien. Comme les blagues. Séverine, tu es dans quel... Donnez-moi vos numéros alors. La reine Marie, tu salues les décès que tu connais. Aïe, ah, yeah. Mes ennemis sont là, non? Ils sont toujours en poste. Ils sont là, ils sont en santé. Ils sont là. Bonsoir, la reine a même belle. Donnez-moi vos noms, ou bien les numéros. Je vais vous recontacter pour ça. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, si vous donnez les numéros, on peut vous contacter. Ok, si tu es en France, la reine Séverine, la représentante de France peut t'envoyer ça. Bien compris.
T'es clair, j'ai déjà montré comment utiliser le donne-moi tout. Tu as compris, t'es clair. La reine qui dit, tu es dans quelle ville, s'il te plaît? Ouais, quelqu'un te suit le direct, tu me demandes encore que les bracelets servent à quoi? Alors que tu es dans le direct avec moi. Hein, mamie? La reine Nadine, tu es dans quelle ville? Parce que là, vos messages passent un peu vite. Je vois quelqu'un qui vient me contacter sur WhatsApp. La reine Nadine, tu es dans quelle ville? Je veux savoir ton pays pour mettre l'index. Parce qu'elle voit 102 là déjà. Je ne sais pas si c'est la Côte d'Ivoire. Bon, Nadine Kofi, tu as dit que tu étais dans quelle ville? Audrey, Audrey, tu es dans quel... Ah, Audrey, tu es au Gabon. Audrey, toi, du Gabon, tu veux quoi? C'est le 07. Audrey, je vais t'appeler juste après ça. Tu es au Gabon dans quel pays? Dans quel endroit? Moi, je suis à Louis. Toi, tu es où? Waouh, la reine Marie du Burundi, tu es dans une famille royale. C'est comme ça, non, les sorciers calculent beaucoup les enfants des rois, parce qu'ils connaissent. Il y a beaucoup de pouvoir sur vous. À Bengourou. Ça, c'est en Côte d'Ivoire, d'accord. Nadine Kofi, d'accord, on va te contacter. Je pense que c'est tout. Hein. Mamie, tu n'as pas encore fini de te sentir légère. Tu vas te sentir légère plus plus. Oyoa. Tu seras légère plus plus. Joyce de Marab. Je veux comment savoir qu'on est choisi? Ça, c'est le thème que je voulais aborder depuis le début de cette vidéo. Donc, comment savoir qu'on est choisi? Je vais vous donner des grandes lignes sur les choisis. Donc, si vous restez en ligne pendant que je fais cette vidéo, vous pouvez en profiter. Donc, Ruisseau, je vois, je prends ton numéro d'abord. Tu as dit, c'est le 32 465 46 00 72. Bonsoir, Merveille Fanou. Attendez, je vais vous donner ce que j'ai sur la vidéo des choisis. Attendez.
Ok. Pour celle qui est à Abidjan, il n'y a pas de souci. Si tu es à Abidjan, tu peux recevoir ça là-bas aussi. Bon, je vous fais la vidéo rapidement. Parce que je vais mettre ça sur YouTube aussi. Donc, vous allez juste rester par ici. J'essaie de mettre ma caméra et puis on pourra faire une sorte de correspondance. Je crois que je pourrais mettre sur le trépied. Regardez le côté, j'improvise juste là. Donc. Je vais installer quelque chose sur le trépied. Le trépied est là. Je vais vous faire rapidement une vidéo YouTube. Voilà. Regardez juste les côtés, restez connectés. Salut, salut à tous. Bonsoir. Je vous remercie. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Donc. Je sais que ça fait pas longtemps que vous avez commencé à me suivre, donc vous avez des questions. Vous savez que je parle beaucoup de choisis, je parle de Decepticon, je parle... Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment savoir qu'on est choisi. C'est quoi un choisi? Comment est-ce que je sais que je suis choisi? Donc, je vais vous donner quelques ingrédients. Je vais vous donner quelques petites caractéristiques des choisis. Premièrement, un choisi, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Donc, tu es intelligent naturellement. Ce n'est pas que tu as appris ça de l'école. Peut-être parfois, très souvent, les choisis aussi n'ont pas fini les cursus scolaires. Donc, il n'est pas là jusqu'à être médecin, il n'est pas là jusqu'à être... non. Tu es un choisi, mais tu es autodidacte. Donc, tu apprends seul. Tu restes comme ça, tu as pris YouTube seul, tu as pris TikTok, tu pars, tu vois quelqu'un tresse les cheveux une fois, deux fois, tu pars, tu tresses quelqu'un la même chose, tu as quelque part, tu vois comment on manipule un ordinateur, tu vois comment quelqu'un prépare une nourriture, tu apprends. Donc, pour toi, tu as cette facilité à capter. Tu es autodidacte. Un choisi, c'est il est autodidacte, première chose. Et un choisi aussi, c'est quelqu'un que généralement son contexte familial pour grandir n'a pas été l'idéal. C'est-à-dire, tu n'as pas eu papa, maman, la belle maison, vous avez grandi dans un seul quartier pendant longtemps. Non. Tu as vécu avec ta grand-mère, ta tante qui te menaçait. Ou tu as vécu avec la belle-mère, la femme de ton père qui te menaçait. Ton père voyageait tout le temps, il te laissait seul avec elle. Donc, tu te regardes. Quand tu vois un peu ton enfance, tu comprends que tu as traversé des choses. Tu as parfois grandi avec des gens qui étaient immatures. Parce que si ta mère t'a accouché à 23 ans et tu grandis avec ta grand-mère a peut-être 45 ans. Donc, à 2 ans, tu grandis avec quelqu'un qui a 45 ans. Ce qui fait que cette personne est en mesure de te donner de la sagesse. Et quand tu as 15 ans, tu es comme quelqu'un qui a déjà 35 ans. Tu réfléchis, tu es posé. Et c'est ça en fait qui fait même que ça favorise le fait que tu sois autodidacte. Voilà. Donc je vais regarder vos commentaires ici là. Le numéro pour les commandes c'est le 680. Il y a aussi le 693.
Quand je continue, alors pour savoir qu'on est choisi. Donc, la troisième chose que tu verras, c'est quoi? Un choisi, c'est quelqu'un qui détecte très facilement les menteurs. Donc, c'est quelqu'un qui a une intuition très développée. Tu peux savoir quand quelqu'un est vrai. Quand quelqu'un n'est pas vrai, tu connais. Et parfois, quand quelqu'un n'est pas vrai, tu le regardes dans un homme. Je peux voir ton jeu. Je te vois. Toi, tu sois un homme, peut-être te trompe. Tu regardes. Tu te demandes que vraiment. Tu me prends pour une idiote. Tu as un employé, il pique dans tes caisses chaque jour. Tu fais comme si tu ne vois pas. Il se dit, oh non, la femme, c'est trop bête. Je rentre avec les reçus, je bombe les factures, je mets 20, 25%, 50% dessus, elle ne voit même pas. Non, le choisi connaît. Mais il te laisse ça seulement parce que les mots de tête qui va venir se prendre pour discuter 30 000 avec toi, mais tu n'as pas mettre ça, il gagne même 5 millions par jour. Donc le choisi, c'est quelqu'un qui est très... Il peut lire à travers les gens. Maintenant, le choisi aussi ne fait pas facilement confiance aux gens. Genre, je sais pas comment on peut dire. Parce qu'on a tellement abusé des choisis que, surtout quand tu... Ok, quand tu nais, tu es choisi, tu ne sais pas encore. Tu fais confiance, 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 confiance. On abuse, abuse, abuse. Maintenant, quand tu commences à comprendre que tu es choisi, tu ne fais plus facilement confiance aux gens. Quand tu rencontres quelqu'un, tu es là comme ça, tu le fais scanner. Tu regardes, tu dis... Et tu commences à devenir sage. Tu ne sautes plus facilement sur les choses. Oh, non, 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 tu es devenu sage. Un choisi aussi est très changeant. Impulsif. Je dirais même moi-même mauvais caractère. Moi, personnellement, j'ai un mauvais caractère, je vous dis. Parce que moi, je suis véridique. Je suis véridique. Donc, je crois que je dirais même qu'un choisi est véridique. Il ne va pas aller vouloir faire. Il ne va pas faire ce qu'il n'aime pas faire. Ça ne va pas être dit cash. Que ce que tu vas c'est pas bien. Si tu veux tuer plus son ami, tu veux, oh, il s'en fout. Je parle des choisis qui sont déjà dans le... Donc, tu es déjà en train de rentrer dans toi. Tu sens que je veux maintenant. Voilà qui je suis. Tu n'as plus peur. Voilà. Les choisis maintenant sont les gens qui sont très spirituels. Le choisi est connecté à Dieu naturellement. Il n'a pas besoin que le pasteur prêche. Et quand le pasteur prêche, même souvent à l'église, quand le pasteur prêche, et c'est des trucs qui sont un peu bizarres. Genre, non, c'est quand tu vas faire ça que Dieu va t'aimer. Alors tu vas faire, le choisi va connaître que non, je parle avec Dieu depuis longtemps. Je sais, donc, le choisi va se lever le matin comme ça là. Il va parler avec le soleil. Le soleil va dire quelque chose, lui aussi va répondre. Après le soleil va rire, le soleil va se cacher derrière les nuages. Après le soleil va sortir, après le soleil va se cacher, après le soleil va sortir. Tu parles avec le soleil. Et c'est des choses que tu as appris naturellement, personne t'a appris. Quelqu'un te demande que mais tu as appris ça où? Ah, moi, je ne sais pas. Depuis que je suis petit, comment ça où? Ah. Donc, un choisi aussi, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui est. Oui, ma chérie, tu peux payer ta dîme sur un des numéros. Le 680 ou le 693. Bonsoir, les choisis. Donc, cette vidéo, je vais la mettre sur YouTube après. Ça va vous aider. Lors, la maestro, je sens que tu dois être une de mes représentantes un jour. Vraiment. Donc, le choisi, c'est quelqu'un qui est très... Il ne faut pas t'amuser avec lui, parce que le karma marche trop dans la bouche du choisi. Le choisi va rester comme ça. Tu l'énerves. Tu lui fais du mal. Il digère. Seulement le fait qu'il pense de toi que, hé, comment tu m'as fait ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Dieu avec qui il communique là va lui faire vengeance. Le karma sur les choisis est trop fort, trop puissant. Trop puissant. Je dis que le choisi reste comme ça là, le karma sur lui est trop puissant. Il n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. Hein? Yeah, j'ai eu une reine l'autre jour. Elle me dit qu'elle a aidé une autre reine là à faire son business. La reine vient prendre cette couleur pour combien de millions. Elle est partie, elle a lancé le business avec. Un an plus tard, elle demande que, ouais, mon argent. La fille commence à dire non, quand le business va donner, et elle voit que c'est un de marché. Elle dit que non, c'est qu'elle avait vendu les derniers marchandises qu'elle veut te donner comme argent. Alors que tu avais prêté l'argent pour que tu lances ton business. Maman, la fille a seulement avalé sa bouche, non. Elle a avalé seulement sa bouche, non. Elle a dit que, oh, il n'y a pas de problème. Deux semaines plus tard, on casse. Boutique
on vide tout. Et on a vidé sa caisse, vidé les trucs qu'elle vendait. Ouais, les faux cheveux là, non. On a vidé tout ça. Donc c'est déjà que, même pour écrire, pour dire que ouais, je suis désolé, tu sais, bon, parce que dans ton cœur, tu dis, je t'ai dit de ne pas t'amuser avec mon argent. Je t'ai dit de ne pas t'amuser avec mon argent. Je t'ai dit de ne pas t'amuser avec mon argent. Voilà. Lors la maestro, j'avais oublié que tu es. J'avais oublié. C'est que tu réponds tellement, tu es tellement disposé que. Je me suis dit que si je n'ai pas ma représentante, tu dois devenir ma représentante. C'est vrai, tu es la représentante de. Tu t'appelles Flore. Ouais. La représentante de l'Allemagne. Les choisis aussi ont une foi énorme. Le choisir, il peut. Il arrive dans un endroit, on dit que non, si tu passes ici à 2 heures, on va t'agresser. Le choisi va dire que je vais passer là, mais bon, viens me faire. Donc, le choisi a une foi là que. Quand tu fais des choses, justement, les gens que ne m'imitez pas. Moi, je fais ma paix, c'est ce qui compte. C'est ça que j'ai mes anges, j'ai mes archanges, j'ai mes chérubins. Pardon, ne m'imitez pas. Moi, je connais comment je fais ma chose. Donc, le choisi a ce. Cette conviction, le choisir a une foi qui est très forte. Et parfois, ce sont les circonstances qui ont révélé ta foi. Parce qu'avant, tu n'avais pas la foi. Mais tu as traversé les choses. Tu as vu comment Dieu t'a sorti de tel trou. Quelqu'un t'avait set up, on avait bloqué ton étoile, on avait prévu que tu ne voyages jamais. Un jour comme ça, quelqu'un dit, te donne l'argent, il dit que je t'ai inscrit sur la loterie américaine. Il t'inscrit comme bien, te voilà. Il t'inscrit dans la dernière minute de la loterie. Te voilà, tu gagnes la loterie. Alors que tu n'avais pas prévu la loterie là. Donc, tu as vu les mains de Dieu sur ta chose tellement que tu sais que je ne peux jamais, non. Igo waka. Voilà. C'est comme ça. Tu as une foi en Dieu. Maintenant, il y a aussi une autre caractéristique des choisis. Vous êtes très combattu. Tu arrives quelque part en ça, quelqu'un te regarde. Pour rien que la personne te déteste. Oh. Oh. Maintenant, ouvre la porte, c'est pas fermé, je crois. On n'a pas peur de bandits dans la maison, si pardon. Elle suit mon direct, elle là, voilà qui court, vient chez moi. Qu'est-ce qu'elle veut faire pour toi? Elle peut pas te fuir. Tu me fuis comment? Ouais, Seigneur. Et depuis que tu as dit que tu es arrivé, il y a le direct, Dieu qui voit en direct. Tu es quitté dans mon téléphone, toi voilà, j'ai venu. Où sont les cheveux? Moi, j'ai les cheveux. Moi, j'ai les cheveux. Tu es pas différent de moi. Le jour, ça te prend, tu mets le jour. Moi, je me sens comme ça. Voilà, attendez, là voilà. Yeah, elle est venue dans ma vidéo. Donc, attendez. Ne me distrais plus, c'est quoi avec toi? Ouais, les petites femmes, te voilà, tu me dirais, on te voit ici là. On te voit, on t'a vu. Bon, continue, je ne me concentre plus. Bon, un choisi est très détesté. Tu ne sais pas pourquoi. Donc, quelqu'un te voit, il regarde tes formes, tu l'énerves. On te dit des fausses paroles. Quand tu n'as rien fait, tu n'as toi rien fait. Donc, le choisi est très souvent détesté. Tu arrives dans ta belle famille comme ça, là, on te déteste. Tes copines, même voilà, le temps où tu souffrais, tu étais là, ami. Maintenant qu'on voit tes choses commencent à marcher. Donc, et même parfois, c'est ta famille, tes familles, ils vont te détester. Ta famille, ils vont te détester. Tu dis que, mais c'est comment? Oh, ils vont aller parler à ton père. Pourquoi papa te se. Si, mais attendez un peu, c'est même pourquoi. Vous voulez seulement, c'est seulement le petit terrain là que vous voulez. La maison familiale. Hein? Vous savez combien de terrains j'ai là-bas dehors? Vous me dites, si vous savez. Écoutez, hein? Si les gens là savaient tout ce que tu as dehors là-bas, c'est qu'ils vont encore te laisser plus. Donc, et depuis que vous êtes petit, ils ont vu ça en vous. Ils ont vu ça et ils savaient que tôt ou tard, la fille-ci ou le gars-ci sera quelque chose. Donc, un choisi aussi a un destin qu'elle. Il ne va jamais souffrir. C'est pour ça que vous, quand vous souffrez, là, vous avez pris vos petites souffrances, là, et vous dites que c'est rien. Laissez-moi ça.
Maintenant, le choisi aussi, c'est quelqu'un qui est... Il n'aime pas le rester sur... Il aime explorer beaucoup de choses. Il a beaucoup de business qu'il fait. Parfois, il aime voyager. Il aime se déplacer, rencontrer les gens. Il aime aider les gens. Le choisi, c'est ça. Donc, c'est dans ton ADN. Tu aimes tout. Tu leur as dit qu'il ne faut qu'il parte à Dubaï. Il faut que tu pars, tu découvres les choses, tes nouveaux business. Ouais. Quand tu tombes sur le business, la pam, 5 millions entrent dans la poche. Dis-moi en personne. Hein? Pardon, je vous en prie. Qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes dans la ville si comme toi. Il y a la femme ici là. Elle dit que l'avion c'est le taxi. Voilà, ça c'est ce qu'elle fait de toi. Elle dit que l'avion c'est le côté de toi. Ouais, Seigneur. En fait, tu sais, je suis pas le genre de personne qu'on déteste. Oui, en fait, quelqu'un de déteste, il va se fatiguer. Tu vois, alors, il va seulement se pendre. Voilà. Et à 10 ans, il veut prendre la femme. Il veut l'aimer. Bon, il faut commencer à regarder ma vidéo. Ok. Il faut qu'elle parte. Parce qu'il y a une. Il y a une. Regardez, là voilà, là-bas, vous la voyez. Là voilà. Regardez. Tu vas apparaître sur YouTube. Je vais te mettre sur YouTube. Je suis partie. Si, regardez. Viens ma chaîne aussi. Hein. Bye bye. Ouais, Seigneur, c'est qu'elle fait comme toi. Bon, vous voyez que je ne peux pas rester dans le direct anymore. Elle vient me priver de vous. Donc, ce que j'ai dit sur les choisis là est. Je vous en prie, comprenez que si j'ai dit et vous avez deux, trois choses là-dedans que vous reconnaissez, sachez que vous devez utiliser votre connexion avec Dieu. Vous utilisez ça avec le parfum en même temps, ok? Utilisez les deux en même temps. Oui. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Je vais vous passer une très bonne soirée. Pour les commandes, on va vous contacter ce soir pour voir ce que vous désirez, ok? Et vous avez les WhatsApp là-bas. Écrivez sur les WhatsApp, on va vous répondre. Bonne soirée à vous. Hola, mais tu viens me déranger.